Bosser? Allô? Bosser? Je vais bien, comment tu vas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sérieuse? Tu as été admise? Oh mon Dieu! C'est une bonne nouvelle! Mon ami, donc, tu es désormais une étudiante. Félicitations, ma chère. Félicitations. Alors, comment est-ce que tu vas aller au campus? Tu vas être dans le campus ou alors à la maison? Hein? Donc, tu iras au campus de la maison tous les jours. Mon ami, je suis contente pour toi. Félicitations, ma chère. Félicitations. Hey! Je sais, je sais. Je remercie le ciel pour toi. Je remercie le ciel pour toi. Ok. D'accord, ma chère. Bye! Félicitations! Hey! Ma copine a été admise. Bossé et moi avons eu le bac au même moment. Sa patronne l'a aidé à avoir une place à l'université. Mais regardez-moi. Ma patronne refuse de me faire admettre à l'université, malgré le fait que j'ai obtenu mon examen avec mention. Qu'est-ce que je fais encore ici? Ce ne serait pas mieux de partir que de rester ici où on ne m'apprécie même pas. Je dois partir. Je ne peux plus rester ici plus longtemps. Je dois partir. Tantine. Flora, Bon bon après-midi, après-midi, ma Tantine. chérie. Bienvenue, Tantine. Merci. Tantine, j'ai obtenu mon bac. Avec mention. Oh mon Dieu, pour de vrai? Oui, Tantine. Ah, ça c'est bien. Merci. Que veux-tu étudier? Le droit. En fait, j'ai envie de devenir une... Vas-tu la fermer? Qui se soucie de ce que tu peux être? Et pour ton information, ta moyenne au bac est inutile. Je ne suis pas prête à t'envoyer à l'université. Cynthia, quoi? S'il te plaît, arrête. Nous en avons parlé avant qu'elle n'ait le bac. Et tu as accepté de l'envoyer à l'université si elle passait son bac. Adogo, tu es venue ici pour me voir ou pour discuter avec ma ménagère? Oh, bien sûr que je suis venue te voir. Bien. Alors, causons et laissons ses affaires. Et toi? As-tu fini tes travaux? Que diable fais-tu encore là? Tu vas disparaître? Et... J'ai besoin du jus que j'ai acheté hier. Il est dans le frigo. D'accord, Tantine. Salut, chérie. Tu as l'air en forme aujourd'hui. Comment Merci. Tu vas? Je vais bien. Cynthia. Quoi? Je pense que tu es trop dure avec Flora. S'il te plaît, c'est ma ménagère. Je la traite de la manière dont je veux, ok? Ok. S'il te plaît, je t'ai acheté ton jus préféré. Pense à là. Tu veux étudier le droit, mon œil. Tu vas vraiment aimer ça, Doug. Je n'arrive juste pas à comprendre pourquoi ma patronne est aussi méchante. Elle est tellement méchante. Pourquoi ne peut-elle pas m'accorder cette opportunité d'aller à l'université? Matin et soir, je me tue, je travaille, je fais tout juste pour la rendre heureuse du matin au soir. Mais elle ne l'apprécie même pas. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Ok. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter à propos de cette fille. Elle est dans ma maison, donc je la traite de la façon dont je veux, ok? Alors, comment tu vas? Bien. Quoi? Calme-toi, s'il te plaît. Tiens.
Merci. Oh, s'il te plaît, cette fille. Elle n'a même pas daigné prendre un verre pour moi. Ce n'est pas juste. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ces paquets. J'ai réalisé que c'était des fausses perruques. Je n'arrive pas à croire que j'ai payé pour des fausses perruques. Ce n'était pas amusant. Quoi? Ada, c'est quoi le problème? Adogo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Ada, tu as un problème? Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? Ada, où est-ce que tu as mal? Qu'est-ce que tu as? N'est-ce pas la voix de ton fils Adogo? Mon Dieu, Adogo, qu'est-ce que tu as? Où est-ce que tu as mal? Mon ventre! Mon ventre! Tantine, tantine, que se passe-t-il? Mais cherche-les toi, on va te faire dépêche-toi! Dépêche-toi! Oh Seigneur! Adogo, qu'est-ce que tu as? Où est-ce que tu as mal? Oh Seigneur! Où sont ces clés? Dépêche-toi! Ado, mon ventre! Où est-ce que tu as mal? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, prends pitié de moi! Prends pitié! Qu'est-ce qu'il y a là? Tu sens? Tantine, mais qu'est-ce qui se passe? Ado! Seigneur, prends pitié! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ada! Oh mon Dieu! Oh Seigneur! Oh non! Tantine! Tantine! Oh mon Dieu! Tantine! Oh Seigneur! Tantine! Tantine! Ada! Ada! Okoro! Okoro, ouvre le portail! Ouvre le portail! Viens nous aider! Ouvre le portail! Okoro, va ouvrir le portail! Va ouvrir le portail! Oh mon Dieu! Ouvre le portail! Ouvre le portail! Ouvre le portail! S'il te plaît! Doucement! Allons-y, doucement! Aide-nous! Le portail! Okoro, va ouvrir le portail! Oh, mon Dieu. Va ouvrir le portail! Vas-y! Ouvre, ouvre, ouvre! Oh mon Dieu! Infirmière? Seigneur! Infirmière? Pitié, Seigneur! Docteur! Docteur! Docteur, s'il vous plaît! Comment va Adogo? Comment va-t-elle? Écoutez, madame, nous avons tout essayé, mais désolé, nous avons perdu. Oh non, 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 Seigneur, non! Madame, oh, non. S'il vous plaît. Docteur, non! Calmez-vous, madame. Non. Calmez-vous, s'il vous plaît, madame. Calmez-vous, madame. Navré, je suis vraiment désolé. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Bébé, voyons. Bébé, combien de temps vas-tu encore continuer comme ça? Non. Comment peut-elle mourir juste comme ça? J'ai vu ma meilleure amie mourir entre mes mains et je n'ai rien pu faire. Bébé. Oh non. Il n'y a rien que tu aurais pu faire. Arrête de culpabiliser. Tu as fait ton mieux pour pouvoir la sauver. Tu n'aurais rien pu faire d'autre. Elle allait bien. Elle allait très bien. Juste avant qu'elle ne prenne ce jus. Quoi? Quel jus? J'ai demandé à Flora de lui servir le jus que j'avais acheté la veille. Donc, tu veux dire que Ada buvait du jus dans notre maison avant qu'elle meure? Oui. Ça pourrait être du jus périmé qu'elle a bu, c'est ce qu'elle essaie de dire. Non. Je l'ai acheté au supermarché. Et tu sais, l'entreprise les livre directement. Je ne pense pas qu'ils vendent du jus périmé. Non. Oh mon Dieu. Ok. Ok bébé, écoute bébé. Peut-être qu'elle a bu quelque chose ou mangé avant d'arriver d'ici. Oh, mais écoute-moi. Ne dis à personne qu'elle a bu du jus dans cette maison avant de mourir, ok? Tu m'entends? N'en parle à personne, sinon tu seras considéré comme suspect numéro 1. Oui, je suis sérieux, sinon tu seras le suspect principal. Oui? Oui. Je t'en prie. Ne dis pas qu'elle a bu du jus dans cette maison. Qui c'est? Madame, qu'est-ce que tu veux? Hein? Calme-toi. Madame, la police est ici pour vous voir. J'espère que tu ne leur as rien dit. Non, monsieur, je n'ai rien dit. Ok, pas un seul mot à propos de ce qui s'est passé dans cette maison, ok?
Non, non, non. Ok. Oui, monsieur. D'accord, voilà, j'en arrive. Va, 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 va. Oh mon Dieu, chérie, la police est là. T'inquiète, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Écoute, ça va aller. Parle-leur, dis-leur qu'elle est venue et qu'elle bavardait et dans quoi elle est tombée. T'as essayé de la relever, elle était mal en point, okay. T'as essayé de l'amener à l'hôpital et puis elle est quand même morte. Ok, mais ne leur dis surtout pas qu'elle a bu du jus dans cette maison. D'accord, pas de jus. Pas de jus. Ok. Pas de jus. Ok. Ok, pas de jus. Ça va aller. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. Salut. Encore pouvons-nous vous être utile? Je suis le détective Maria. Et voici mon collègue, le détective Stanley. Nous sommes ici pour voir madame Cynthia Daniela. Je suis madame Cynthia Daniela. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Oh non. Nous voulons simplement nous entretenir avec vous. Ok. Ok, soyez les bienvenus. Merci. Merci, madame. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bien, allons droit au but. Madame, je suppose que c'est vous qui avez amené la regrettée madame à De Gaulle à l'hôpital, c'est cela? Oui, elle est venue me rendre visite et nous étions en train de discuter et elle a commencé à crier. Et pourquoi criait-elle? Elle a dit quelque chose à propos de son ventre qui faisait mal. Vous lui avez offert quelque chose quand elle est arrivée ici? Non, je n'ai pas pu le faire. Ça s'est passé très vite, juste après qu'on ait commencé à causer. Elle a commencé à crier et à tousser du sang. Savez-vous si, peut-être, elle aura eu des problèmes avec quelqu'un de son entourage? Je ne me rappelle pas qu'elle m'ait parlé d'une chose pareille. Quelles étaient vos relations avec la défunte? C'était le meilleur ami. Et puis, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ok. Ok, madame. Savez-vous si elle avait des différends avec quelqu'un? Non, je ne pense pas. Je veux dire, Adogo était tellement aimable. Elle prenait soin de tout le monde. Et par tous les moyens, elle évitait toujours les problèmes. Ok. Madame, étiez-vous seule à la maison quand elle est arrivée? Non, pas vraiment. J'étais là avec ma ménagère. Ok. Ça sera tout pour l'instant. Oui, je l'espère. Parce que mon épouse est très stressée. Il faut qu'elle se repose. Oui, vous avez raison. Ce que je veux dire. Merci, merci, okay. Au revoir. D'accord. Au revoir. Ça va aller, madame. Merci. Ne t'inquiète pas, ça va aller, ok? Il n'y a du tout pas à s'alarmer. Tout ira bien, ok? T'inquiète pas, ça va aller. Ok. C'est une façade que tu vas traverser. Ouais. J'étais là, genre, sérieux? Bien sûr. Tu comprends pourquoi? On doit juste savoir gérer ça, tu vois. Pensez que madame Cynthia nous dit la vérité? Je pense qu'elle cache quelque chose. Je pense qu'elle est juste prudente, tu vois, pour ne pas être impliquée. Je sais juste qu'elle nous a caché certaines informations. Mais je peux me tromper. Elle a l'air très éprouvée. Je pense qu'elle pleure encore le deuil de sa meilleure amie. Détective Stan, l'apparence peut être très trompeuse. Penses-tu qu'elle a quelque chose à voir avec ce meurtre? Peut-être oui, peut-être non. Nous devons juste trouver, ok? Bien sûr. Allons chercher quelques équipements au bureau. D'accord. Allons-y. Flora, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es tout en larmes, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Regarde-toi, tu as perdu du poids. C'est juste que
mon ange gardien, Tanti Nada est... Elle est morte. Quoi? Oh, comment? Je ne sais pas. Elle est venue à la maison. Ensuite, je l'ai entendue crier. Ma patronne l'a rapidement emmenée à l'hôpital, mais elle n'a pas survécu. Oh, mon Dieu. Cette femme si aimable qui prenait bien soin de toi. Je ne sais pas ce que je vais faire sans elle. Maintenant, les choses vont s'empirer. Ma patronne va me tuer. Maintenant, Tantinada n'est plus. Rien ne va t'arriver. Tu peux compter sur moi, d'accord? Ça va aller, arrête de pleurer. Tu sais que tu es la sœur que je n'ai jamais eue. À quoi servent les amis? Viens Merci. Là. Désolée. Arrête de pleurer. Où vas-tu? Je dois aller acheter quelque chose. Allons-y, je veux voir. Désolée, ne pleure plus. Oh, détective Stan. Oui. Désolée. T'inquiète pas. Nous pouvons cheminer ensemble. Les résultats sont finalement sortis. Et ça ne sent pas bon. Jette un coup d'œil. Du poison? Mais qui aurait pu l'empoisonner? Je ne pense pas que Madame Cynthia Daniel a été totalement honnête avec nous. Nous devons l'inviter pour un interrogatoire. Mais Madame Cynthia Saputon dit qu'elle n'avait absolument rien donné à la défunte. Écoute, peut-être que la défunte est passée quelque part et s'est fait empoisonner avant d'arriver chez elle. Je ne suis pas vraiment fière de ça, ok? Mais je pense qu'il est possible qu'elle ait pris quelque chose chez Madame Cynthia Daniel. Qu'en pensez-vous? Peut-être. C'est possible. Nous devons trouver le coupable. Nous devons trouver le coupable. Il faut vraiment. Mon patron et sa femme ne sont pas là. Ils sont sortis. Actuellement, nous sommes venus vous voir. D'accord. D'accord, madame. Et pourquoi, s'il vous plaît? Mademoiselle Flora? Monsieur? Où étiez-vous le jour que madame Adogo est venue ici? J'étais là. J'étais à la maison. Quelle était votre relation avec la défunte? Elle était comme un ange gardien pour moi. Elle s'inquiétait toujours pour moi. En fait, c'est elle qui s'était assurée que j'aille au secondaire. Et elle était en train d'essayer de convaincre ma patronne de m'envoyer à l'université. Avant de mourir. Ça va aller. Ne pleurez pas. Il faut que vous nous aidiez à retrouver son meurtrier. Elle serait heureuse où qu'elle soit. Si vous pouviez aider à ce que justice soit rendue. Son meurtrier? Elle a été tuée? Oui, c'est ça. En fait, les résultats de l'autopsie ont illustré du poison dans son organisme. Flora, dites-nous, que s'est-il passé ce jour-là? Ah, j'étais en train de parler à Tanti Nada de ma réussite au bac, que j'ai passé avec mention et elle était vraiment, vraiment très contente. On était en train de parler quand ma patronne est entrée et m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle n'allait jamais m'inscrire dans aucune université. Tanti Nada était en train d'essayer de la convaincre. Mais ma patronne s'est fâchée et m'a demandé de sortir. Et quand je m'en allais, elle m'a demandé de revenir et m'a demandé d'aller apporter la brique de jus qu'elle avait achetée la veille pour Tanti Nada. Ok, alors, c'était juste une brique de jus? Ou alors vous avez pris le jus dans un carton? Non, non, c'était juste une brique de jus. Nous avons assez de jus dans le frigo, mais cette brique de jus en particulier avait été achetée la veille par ma patronne. Mais s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Nous menons juste une enquête, ok? Alors, dites-nous, qu'est-il arrivé après? Je veux dire,
après que vous lui avez servi sa boisson. Je suis rentrée à la cuisine. Après un moment, j'ai entendu un cri très fort. Ensuite, j'ai couru. Je suis venue la trouver au sol. Elle criait, elle arrêtait son ventre, elle vomissait même du sang. Ma patronne était très effrayée. Nous étions tous en train d'essayer de la sauver, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tout ceci a à voir avec la mort de Tanti Nada? C'est tout pour l'instant. Mais nous pourrions revenir vers vous pour plus de questions, ok? D'accord, madame. Monsieur? Flora? Madame? Rassure-toi. Définis tous les travaux avant de goûter la nourriture, d'accord? D'accord, madame. Je suis en train d'aller à la boutique. D'accord. Nous avons un mandat pour fouiller cette maison. Je n'ai rien à voir avec la mort d'Ada. Vous n'allez rien trouver ici. Madame, reculez, je vous en prie. S'il vous plaît, fouillez partout, ok? Je dis bien partout. Entendu. Détective, vous n'allez rien trouver. Je n'ai rien à voir avec ça. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail. Détective, s'il vous plaît, faites attention à ses habits. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous faire notre travail, ok? Mais ça, ce n'est rien d'autre qu'une perte de temps. Vous avez trouvé quelque chose? Rien pour l'instant. Madame, vous êtes une infirmière ou autre? Oh, détective Stan, quel genre de substance est-ce? Qu'est-ce que c'est? Madame, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi? Non, détective, ça, ça ne m'appartient pas. Je ne sais pas ce que ça fait dans mon sac. Ça ne m'appartient pas. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Nous déposerons cela au laboratoire. Oui, bien sûr. Ouais, pour vérification. Oh. Madame Cynthia Daniel, vous allez devoir venir avec nous au commissariat, ok? Pour un interrogatoire. Oh, non, détective. Je vous jure que cette substance ne m'appartient pas. Madame. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, ça ne m'appartient pas. Madame, avancez. Madame, s'il vous plaît, avancez. Détective, vous devez vraiment avancez. Madame, avancez. Avancez. Oh. Avancez. Tu t'imagines? Excusez-moi, madame. S'il vous plaît, où est-ce que vous emmenez ma patronne? Flora, appelle mon mari, dis-lui que j'ai été arrêtée. Ah.
Arrêtez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Ma patronne est innocente. Je vous en supplie. Nous avons trouvé une substance dans sa chambre qui ressemble à du poison. Elle doit venir avec nous au commissariat. Si nous confirmons que ça n'a rien à voir avec le décès de la regrettée Madame Ada, alors elle sera relâchée. Non, madame, non. Non, madame. Ma tantine ne peut pas avoir tué tantine Ada. Elles étaient meilleures amies. Avancez. Avancez. Oh mon Dieu. Tantine, monsieur, s'il vous plaît. Avancez. S'il vous plaît. Ma patronne est innocente. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Allô, monsieur? Monsieur, la police vient juste de partir d'ici. Ils ont emmené la patronne. Oui. Elle... Oui. Ils l'ont emmenée au poste de police. Maintenant, monsieur. Maintenant. D'accord, monsieur. C'est quoi tout ça? Bienvenue, Flora. Monsieur. T'as dit que la police allait avec mon épouse? Oui, pourquoi? Monsieur, ils sont arrivés ici et ils ont commencé à fouiller. Ensuite, la femme est sortie et elle a dit qu'elle a vu quelque chose qui ressemblait à du poison. Poison? Oui, monsieur. Mais de quoi parle-t-il? Monsieur, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. De toute façon, je vais aller voir ça de moi-même. Es-tu sûr de ce que tu dis? Monsieur, tout ce que je vous ai dit, c'est comme ça que ça s'est passé, monsieur. Ouvre le portail! Ouvre le portail! Ouvre le portail! Mais ouvre le portail. Tu fais souvent comme si tu n'avais rien dans la tête. Officier, écoutez-moi. Vous devez libérer mon épouse. Vous pouvez toujours venir à la maison, lui poser des questions. Il n'y a pas de problème. Je suis désolée, monsieur Daniel. Je ne peux pas. Votre épouse est notre premier suspect. Et la substance trouvée dans son sac est probablement celle qui a été utilisée pour tuer sa meilleure amie. Dites-moi, comment vous expliquez ça? Calmez-vous, ce ne sont que des suppositions, pas des faits. Cette femme est innocente et vous le savez. C'est pourquoi nous avons envoyé l'échantillon de la substance au laboratoire, ok? Si cela est vraiment confirmé qu'elle est innocente, alors nous allons la relâcher. Mais pour l'instant, elle doit rester ici. Voyez-vous, détective, mon épouse doit rentrer à la maison. Vous devez libérer mon épouse. Ce n'est pas du tout juste. Ce n'est vraiment pas juste. Libérez-la, qu'elle rentre à la maison. Oui, sa famille a besoin d'elle. Monsieur Daniel, laissez-nous faire notre travail. Bonne journée. Ah, monsieur? Oui, madame. Ah, madame n'est pas rentrée. Ah, monsieur, mais quand est-ce qu'ils vont relâcher madame? Quand est-ce qu'elle va rentrer à la maison? Je ne sais pas. Oh, mais c'est quoi tout ça? Aïe. Monsieur. Assieds-toi. Assieds-toi, prends place. Oui, assieds-toi. Oui. Quand la police est venue s'y poser des questions, leur as-tu dit quelque chose? Ils m'ont juste demandé ce qui s'est passé le jour où tantine Ada était là, et je leur ai dit... Et que leur as-tu dit? Je leur ai dit que j'avais entendu un cri très fort. Hein? Alors j'ai couru ici, et j'ai vu tantine Ada allongée au sol, en train de crier, d'arrêter son ventre et de vomir du sang. Mais... Leur as-tu dit que la patronne lui a offert du jus à boire quand elle est venue d'ici? Ah, oui. Quoi? Elle leur a dit... T'es folle? Non, mais t'es folle! Monsieur, j'essayais simplement d'aider. Je t'avais dit spécifiquement de ne rien dire à propos de cela! Monsieur, j'essayais simplement d'aider. Essayez d'aider qui? Ils m'ont dit qu'ils allaient relâcher madame si je parlais. Hé, non, mais tu me la fermes!
désolée, monsieur. Idiote, dégage, dégage là. Attends, attends, viens par ici. Si jamais quelque chose arrive à ma femme, si jamais quelque chose arrive à ma femme, je vais te tuer. Je te le dis. Monsieur, j'essayais simplement de... Rien de tout toi-même. Désolée, monsieur. Aide ta vie. Idiote. Je le savais, je le savais, je savais qu'elle... qu'elle ferait quelque chose d'idiot de ce genre. Non mais... n'importe quoi. Si je... Pourquoi avez-vous empoisonné sa boisson? Je n'ai pas empoisonné sa boisson. Vous pouvez demander à ma ménagère, c'est elle qui a servi le jus. Je l'ai même ouvert en sa présence. Pourquoi lui avoir demandé de venir avec le jus que vous avez acheté la veille? Alors qu'il y en a d'autres dans le frigo. Comment saviez-vous ça? Qui est-ce qui vous a dit ça? Qui d'autre? Nous avons interrogé votre ménagère. Cette stupide mère. Allez-vous répondre à la question? Je n'ai pas empoisonné sa boisson. Je lui ai demandé de venir avec ce jus particulièrement parce que c'était le jus préféré d'Anna. Vous devez me croire, détective. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui l'ai tué. S'il vous plaît, croyez-moi. Je vous en prie. Vous nous avez menti. Vous nous avez dit que vous ne lui avez offert aucune boisson. J'avais oublié. J'étais encore traumatisée par son décès. Vous savez comment sont ces choses. Je suis désolée pour cela, s'il vous plaît. Vous étiez traumatisée par sa mort. Bon sang. La substance que nous avons trouvée dans votre sac a finalement été compatible avec le même poison qui a tué votre meilleure amie. Comment expliquez-vous cela? Je n'ai pas tué ma meilleure amie. Ce poison, je ne sais même pas comment il est arrivé dans mon sac. S'il vous plaît, je suis innocente de tout ceci. S'il vous plaît, vous devez me croire. Je suis sûre que vous avez tué votre meilleure amie. Non, je n'ai pas tué ma meilleure amie. Vous devez me croire, je ne l'ai pas fait. Attendez, attendez. Dites-moi, pour quelle raison? Non, c'est pas moi qui ai tué ma meilleure amie. Vous ne comprenez pas? Que quelqu'un me croie, je suis innocente. Croyez-moi, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Je vois que vous n'êtes pas prête à parler. Votre dossier sera envoyé chez le procureur bientôt. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Sergent! Oh Seigneur, non, je ne l'ai pas tué! Sergent! Amenez-la! Détective, s'il vous plaît! Je ne l'ai pas tué, je suis innocente, croyez-moi, détective, s'il vous plaît! Détective Stan. Allô? Allô, détective Maria. Comment était ta journée? Très difficile. A-t-elle avoué son crime? Je veux dire, Madame Daniel. Non. Elle insiste qu'elle est innocente. Si elle a vraiment tué son amie, pourquoi garderait-elle le poison chez elle? Et pourquoi avoir transporté Madame Adogo à l'hôpital? Oublie ce côté-là, mon ami. Souviens-toi qu'elle nous a menti. D'entrée de jeu, elle a signé mordicus qu'elle ne lui a jamais rien offert. Et en même temps, je ne s'attendais pas à ce qu'on vienne fouiller sa maison. En plus, tu n'as pas vu la façon dont elle a gardé les produits et les seringues dans un vieux sac? Et si c'est quelqu'un d'autre qui les avait placés à cet endroit? Souviens-toi qu'elle partage la chambre avec son mari. Là, tu marques un point. Oui, oui. Et si c'était son mari qui avait tué Madame Ada? Afin de couvrir toutes ces magouilles. Mais, bon sang, pourquoi voudrait-il tuer la meilleure amie de sa femme? Et pourquoi le faire chez lui? Ça, je l'ignore. Je dis juste que c'est possible, que ce ne soit pas elle qui ait mis ce produit là-bas. Bien sûr, je vais le découvrir. Merci. Thank you.
Bonjour, madame. Et bonjour. Bienvenue, madame. Merci. Es-tu seule dans la maison? Oui, madame. Bien. Madame, s'il vous plaît, quand est-ce que vous allez relâcher ma patronne? Assieds-toi. Eh bien, cela dépendra de votre coopération. D'accord, madame. Quelle était la relation de votre patron avec la défunte? Ah. Relation? S'il vous plaît, de quel genre de relation est-ce que vous parlez, madame? Je veux dire, les as-tu vus s'entretenir un moment? Oui. Ils bavardaient et s'entendaient très bien. Ils étaient de bons amis. Vous savez, un jour, j'ai remarqué qu'ils se disputaient et ma patronne les a surpris. Ensuite, elle a commencé à suspecter qu'ils sortent ensemble. Oui, madame. Ils s'entendaient. Dites-moi exactement comment ça s'est passé. D'accord. Un jour, j'étais à la cuisine quand j'ai entendu mon patron et Tanti Nada se disputer. Hé, hey, nouveau Dieu. Promets-moi que tu vas pas en parler à ton ami. Si tu n'arrêtes pas, je vais lui dire. Hé, hey, ferme-la. Je t'ai payé assez d'argent pour que tu me la boucles. T'as pas le droit de lui en parler sans mon consentement. Tu dois... De quoi ne devrait-elle pas parler? Je lui parlais à propos de mon ami qui veut sortir avec elle. Tu sais, elle, avant qu'elle ne commence quoi que ce soit avec mon ami, qu'elle vienne d'abord me le dire. Tu vois, tu tiens aussi à elle. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Devrait-elle d'abord te demander la permission avant de flirter avec ton ami? Ah, non, mais cet ami-là, je ne pense pas qu'il soit bien pour elle. Je ne veux surtout pas que ton ami soit triste. Je suis juste, tu sais, je protège tes intérêts. Ok, mesdames, viens là. Je t'aime. Ada, que se passe-t-il entre mon mari et toi? Rien du tout. Pourquoi aurais-je quelque chose à voir avec ton mari? Ada, tu sais que je suis une personne très jalouse et très rancunière, n'est-ce pas? Tu le sais bien. Donc si je découvre un jour, un seul jour, qu'il y a quelque chose entre mon mari et toi, que Dieu t'aide, tu payeras le prix fort. Je te le promets. T'es averti. Vous pensez qu'ils sortaient ensemble? Sortir ensemble? Non, non, madame. Tanti Nada ne s'abaisserait jamais à ce point en sortant avec le mari de sa meilleure amie. Ah, non, je ne pense pas. Non. Ok, merci. C'est tout pour l'instant. Ah, ok. Détective Stanley? Oui? Je pense que je comprends maintenant les raisons pour lesquelles Madame Cynthia a tué Madame Ada. C'est comme si elle est suspectée d'être ensemble. Est-ce une raison suffisante pour la tuer? D'après les faits recueillis, je pense qu'elle est une femme très jalouse. Vous savez, Daniel a nié en bloc qu'il n'avait rien à voir avec la regrettée Madame Ada. Flora les a vus en train de se disputer. Et quand Madame Cynthia est entrée, elle a menacé de mettre un terme à la vie de la défunte Ada si elle venait à découvrir la moindre ou l'éventuelle relation avec son mari. Tu vois? Je pense qu'elle a découvert quelque chose et a décidé d'agir. Mais la question est de savoir, pourquoi voudrait-elle tuer Madame Odogo dans sa propre maison? Je pense qu'elle a été aveuglée par la rage et la jalousie. Et le pire de l'histoire, c'est qu'elle n'a pas pensé aux répercussions. Tu sais, c'est vraiment peu commun. C'est de la bonne qualité. Celui-ci comment? Je sais que tu es fâchée parce que je ne te cherche plus. Si l'école me prend tout mon temps, ne m'en veux pas. Ne t'en fais pas, je comprends. Je sais. Je sais à quel point l'école absorbe le temps. Merci. Tu as l'air en super forme. Comment t'en sors-tu?
Ma sœur, je suis juste là. Mon bourreau n'est pas là depuis un certain moment. Tu sais qu'elle a été arrêtée, donc... Ne penses-tu pas qu'elle paye pour tout ce qu'elle t'a fait? Ah, je ne sais même pas. Et en fait, demain, c'est la procédure judiciaire définitive. Je suis censée également être son témoin demain. Et que vas-tu dire? Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Mon patron a même dit que je devais juste... dire que je ne me rappelais pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est ce qu'il m'a demandé de faire. Je ne sais pas. Et tu vas faire ce qu'il t'a dit? Ah. Je ne sais pas. Et tu sais quoi? Je vais juste le faire. Si ça peut les faire relâcher ma patronne, alors je vais le faire. Qu'elle rentre à la maison. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Madame, je te souhaite bonne chance. Merci. C'est quoi le dernier prix ici? 400, le dernier prix. Ah. Madame, 400? 3000. Alors, t'es prête pour ça? Oui, monsieur. T'as pas besoin de t'inquiéter. Hein? Tu vas juste le dire que madame n'a rien offert du tout à boire à Ada. Je t'en prie. Hein? En fait, que tu ne te rappelles absolument de rien. Tu t'es juste trompé. Hein? Dis-leur juste ça. D'accord? Sans souci, monsieur. Tu sais, nous devons ramener ta patronne à la maison. Tu sais qu'elle n'a rien fait, hein? Oui, monsieur. Ok. Ne t'inquiète pas, rien ne peut t'arriver. Dis juste ce que je t'ai demandé. Ok? Sans problème, monsieur. Ok, bon, allons-y. Flora. Flora. Cette fille, alors. Non. Non, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Pourquoi t'évanouis-tu en ce moment? Si elle leur sait que tu dois t'évanouir! Flora! Non, mais réveille-toi! C'est encore quoi, ça? Oh... Nom de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, j'ai sûrement dû m'évanouir. Avant la fin de cette journée, le juge aura déjà donné son verdict. Et le sort de ma patronne sera scellé. Devrais-je être heureuse? Ou triste? En fait, je devrais être heureuse. Mais... je ne sais pas si je suis vraiment... heureuse ou pas. Vous voulez savoir pourquoi? Suivez-moi. Tiens. Va acheter le pétrole maintenant. Prends la moto et si tu rentres à Dakar. Salut! Cynthia, comment tu vas? Je vais bien. Ça fait du bien de te voir. Merci. Tu vas bien? Bonjour, Tantine. Voici la jeune fille dont je t'avais parlé. Elle est très respectueuse, disciplinée. Tu vas l'aimer. Ok, si tu le dis. J'ai confiance en toi. Tu n'as plus confiance en moi? Et elle est aussi très intelligente. Elle doit aller à l'école. S'il te plaît, mon ami. S'il te plaît. Fais en sorte qu'elle commence l'école plus tôt. Ce n'est pas un problème. Je vais le faire. Ok. Ok. Okay. Pas de problème. Ok. Je dois y aller maintenant. J'ai un rendez-vous. Aussitôt? Mais prends au moins quelque chose à boire. Ah non, 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 non. Ça va. Je vais revenir. Tu es sûre? Bien sûr, je vais revenir. S'il te plaît, fais-le. Tu vas beaucoup me manquer. D'accord, ma chère. Prends soin de toi, d'accord? Flora va à l'intérieur. Comment tu vas? Je vais bien, madame. Mon nom est Flora, madame. Flora.
J'espère que tu es aussi bien qu'Elodie. Oui, madame. D'accord. Tu vois cette maison? Elle doit être d'une propreté éclatante en tout temps. Pas de problème. Je ne veux voir ni poussière, ni saleté, ou que ce soit. Pas de problème. Ok? Oui, madame. Alors viens, je vais te montrer ta chambre. D'accord, madame. Qu'est-ce que tu fais? Je mange, madame. As-tu fini tes travaux? Oui, madame. J'ai terminé. Mmh. Attends. C'est la viande que je vois dans ton plat? Oui, madame. Tu as osé retirer la viande dans ma marmite? Je suis désolée, madame. Je ne savais pas que je ne devais pas prendre la viande. Tu ne savais pas quoi? Hein? Tu ne savais pas quoi, sale femme? Comment oses-tu? Désolée, madame. S'il vous plaît, je ne savais pas que je ne devais pas prendre la viande. Tu ne savais pas quoi? Tu ne savais pas? Qu'est-ce que tu ne savais? Tu as osé ouvrir ma marmite avec tes sales mains pour manger madame. Ma viande? Désolée, madame. Pouvez-vous imaginer ça? Pouvez-vous l'imaginer? Désolée, madame. S'il vous plaît, je n'ai encore rien mangé. Je vais le remettre, madame. Je le jure. Je n'ai encore rien mangé. C'est juste celui-là que j'ai pris. Je jure, madame, je vais le remettre. Allez, je jure, madame, s'il vous plaît. Et que ce soit la toute dernière fois que tu oses ouvrir mes marmites et prendre la viande. Pouvez-vous l'imaginer? Je suis désolée, madame. Pardonnez-moi, madame, s'il vous plaît. Va vite me remettre ça. Oui, madame, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire, madame. Espèce de sale folle. Désolée, madame. En plus, elle a pris le plus gros morceau. Je vais le remettre maintenant, madame, s'il vous plaît. Sale mouton. Stupide. Désolée. Où est ta patronne? Elle est dans sa chambre, monsieur. Ok. Merci. Je vous en prie, monsieur. Hey. Monsieur? Viens là. Qu'est-ce que t'as au visage? Qu'était-ce qu'il a ri au visage? Rien, monsieur. Rien? Oui, monsieur. Viens par là. Que se passe-t-il? Que t'est-il arrivé? Qui t'a fait ça? Je demande qui t'a fait ça. Qui? Tu ne parles pas? Qui t'a fait ça? Si tu ne parles pas, je vais atterrir sur toi. C'est madame. Quoi? Madame? Pourquoi? Parce que j'ai pris de la viande. Je le jure, monsieur. Je ne savais pas que je ne devais pas prendre la viande. Si j'avais su, je n'y aurais jamais... Quelle bêtise! Mais que... T'as pris la viande? Oui, viens monsieur. Te tapesser. Ah. Hey. Cynthia. Voilà qu'il va aller doubler mes problèmes. Hey. Cynthia. Pourquoi t'as frappé Flora ici? Juste parce qu'elle a pris de la viande? Pourquoi me cries-tu dessus? Réponds-moi. Donc comme ça elle est venue me trahir chez toi? Personne ne t'a trahi chez moi. Je l'ai vue. J'ai vu sa face. Ses mains. Ça a gonflé, Cynthia. Ça a gonflé. La façon dont je traite ma ménagère ne te regarde pas. C'est mon problème, ce qui se passe à n'importe qui dans cette maison. C'est mon problème parce qu'ici, c'est ma maison. Et je suis responsable du bien-être de chaque personne dans cette maison. Comment peux-tu frapper, brutaliser quelqu'un qui prépare pour toi, qui fait tes travaux? Quel genre de femme es-tu? Donc tu es venu me parler comme ça à cause d'elle, c'est ça? Hein? S'il te plaît. Je ne savais pas que tu es aussi méchante. Je suis désolée pour toi. Tu sais quoi, Daniel? J'en ai assez entendu. Là, c'est trop! Excuse-moi. T'es assez entendu? Je suis finie. Est-ce que je l'ai envoyé? Est-ce que je me suis plaint? Ah! Cette femme va me tuer aujourd'hui. T'es assez entendu? Elle va en finir avec ma vie. Tu brutalises cette fille et tu me dis que t'as assez entendu? Quoi? Non, mais c'est quel genre de femme comme ça? Où est-ce que cette fille se cache? Où est cette stupide fille? Flora? Donc tu as eu l'audace d'aller me trahir chez mon mari? Tu as osé? Sale idiote! Idiote stupide!
stupide. Imbécile. Je vais finir par te tuer. Sale pétasse. Comment as-tu pu, hein? Idiote. Tu n'es qu'une sale stupide. Vaut rien. Cynthia, laisse cette fille. Cynthia. Qu'est-ce qu'elle a? Flora? Flora? Non, oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle a? Que lui est-il arrivé? Je crois qu'elle s'est cognée la tête sur le fer de sécurité ou quelque chose comme ça. Ici. Non, mais attendre pourquoi? Laissez-moi entrer. Daniel, tu dis que qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que... qu'elle a cogné sa tête sur le fer de sécurité, hein, quelque chose comme ça. Et là, je l'ai trouvé évanoui. Et c'est le même fer de sécurité qui lui a laissé toutes ses marques là partout? De quoi parlez-vous? De quelle cicatrice parlez-vous? Tu vois, Daniel, cette fille est victime de violence. Et c'est tellement évident. Parce que tout son corps est couvert de blessures. Des bleus, bref, toutes ces marques de violence. Je ne sais pas qui est l'auteur de tout cela. Mais quiconque est derrière tout ça devrait prendre ça à s'arrêter. Et comment elle va? Ah, on a pu faire en sorte qu'elle se réveille et on va observer toute la nuit. Et peut-être, par la grâce de Dieu, on la libérera demain matin. Dieu merci. Dieu merci. Mon frère, merci. Vraiment, merci pour tout. J'apprécie. Ça va, je t'en prie. Flora. Flora. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Ok. Je suis désolé. Ça va aller, ça va aller. Le docteur va te libérer ce matin et je vais te ramener à la maison pour que tu puisses te reposer. Qui est-il? Je ne veux pas rentrer à la maison. Pourquoi? Les coins cessants de tantine, c'est déjà de trop. Je ne pense pas que je puisse encore le supporter. Je veux juste rentrer chez moi. Je ne peux plus supporter cela. Flora, écoute-moi. Tant que ça sera ma maison, je suis au contrôle de ma maison. Elle ne lèvera pas le petit doigt sur toi. Ok? Je vais me rassurer qu'elle ne lève pas le petit doigt sur toi. Ne pleure plus, désolé. Désolé de ce traitement. Et qu'en est-il de mon éducation? Qu'en est-il de mon école? Tantine Adaogo m'a dit que Tantine avait promis qu'elle allait m'envoyer à l'école. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore commencé l'école et c'est déjà le deuxième trimestre. Je te comprends. Je vais m'en occuper. Je vais chercher une très bonne école pour toi, comme je te l'ai promis, ok? Oh, Daniel. Hey. Tu es là? Oui. Ça va? Bonjour, monsieur. Comment tu te sens? Bien, monsieur. Je constate que vous allez mieux. Oui, monsieur. Ok, Daniel, je vais la libérer ce matin. Et l'infirmière lui donnera les médicaments pour le relais. Sans souci, docteur. D'accord, il faut que je m'en aille. D'accord. Rassure-toi qu'elle prenne ses médicaments. D'accord, okay. Je vais bien m'occuper d'elle. Ok. Merci. Tu dois manger avant qu'on ne parte. Au moins pour avoir un peu de force. D'accord, monsieur. Attends. Je remercie Dieu que tu vas bien. Cynthia, le docteur a remarqué que cette fille a été violentée constamment.
J'essaye de couvrir. J'ai menti qu'elle s'est cognée sur un fer de sécurité. Quelque chose comme ça, mais Philippe ne m'a pas cru. Bon, merci comme tu m'as couvert. Ce n'est pas une histoire de merci. Ne lève plus jamais ta main sur cette fille. Je suis sérieux. Ok, j'ai compris. Pas de souci. Flora, s'il te plaît, va faire à manger. Comme tu peux le voir, depuis le matin, je n'ai rien mangé. D'accord, madame. Reste là. Quel genre de personne t'es? Cette fille vient juste de rentrer de l'hôpital. Elle n'est même pas encore guérie que toi. Tu l'envoies déjà faire à manger. Je m'en fous. Va me faire manger. Mais non, tu restes là. Si tu vas me faire manger. Va te reposer. D'accord, monsieur. Où est-ce que tu vas? Va te reposer dans ta chambre. Va me faire manger. Mais arrête ça. Va dans ta chambre te reposer. Hey, va te reposer dans ta chambre. Vas-y, te faire manger. Vas-y. Non, pas dans cette cuisine-là. Passe par là. Va te reposer. Arrête-toi là. Va dans ta chambre. Qu'est-ce que c'est? Flora, tu dis, tu la touches pas. Ça, c'était mon quotidien. Mais, pour vous dire la vérité, j'ai souffert pire que ça. Mais, c'est une histoire pour un autre jour. Alors, pour en revenir au fait, le cas de ma tantine, alias mon bourreau, va être établi aujourd'hui. Sera-t-elle condamnée à faire la prison? Est-elle réellement innocente? Wow! Mais pourquoi est-ce que ma tantine voudrait tuer sa meilleure amie? Non. Monsieur. Monsieur. Comment est-ce que ça s'est passé? Ferme-la. T'es la cause. T'es la cause. Non. Si tu ne t'étais pas évanouie, stupidement, tu devrais être là-bas pour témoigner. Et ma femme aurait eu une autre sentence que la prison à vie. Mais c'est ce que tu voulais, non? Quoi? T'es la cause, toi! Quoi? Je t'ai demandé une simple chose. Juste venir avec moi et témoigner. Quoi? Je sais que c'était ton plan, n'est-ce pas? Non. Dieu. Madame a été déclarée coupable. Dieu. Non. Non. Oh mon Dieu. Ah non, madame. Non, monsieur. Hey, non. Ne t'approche pas de moi. C'est ce que tu voulais. Sorcière. Madame. Sorcière. Madame, non. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Où vas-tu avec ce sac? Ah. Hein? Mais je rentre, non? Je rentre chez moi. Je retourne dans ma maison. J'ai dit à monsieur que je ne pouvais plus rester dans cette maison. Madame, que je suis venue servir, et en prison. Qu'est-ce que je fais encore ici? Attends, s'il te plaît. Attends un peu. Donc tu veux m'abandonner dans cette concession et partir? Hein? Écoute, s'il te plaît, ne va nulle part. Hein? S'il te plaît, reste. Nous pouvons bien rester, toi et moi. S'il te plaît. Le fait de te voir dans cette maison me rend quand même heureux. Oh? Que nous restions dans la maison tant que qui? Nous sommes venus ici ensemble?
J'ai pas dit qu'on est venus ensemble. C'est juste que le fait que je te vois ici tous les jours me procure de la joie. C'est pour cette raison que je te supplie de rester. Ne va nulle part, hein? S'il te plaît, Okoro, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est quoi cette histoire d'être heureux de me voir? Comment est-ce que je te rends heureux? C'est encore quoi ça? Si tu veux rester, reste. Moi, je m'en vais. Madame n'est pas là. Qu'est-ce que je vais servir? Toi, va servir, monsieur. Pas de problème. Madame n'est pas là. Madame est en prison. Qu'est-ce que je fais encore ici? Tu m'abandonnes. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Hey! How are you doing? I'm in it, mon. Eh, où les wada fomneke? Hein? Donc, c'est de cette façon que cette fille voulait m'abandonner dans cette maison? Pourquoi je reste seul ici? Hein? Et c'est comme ça que de temps en temps, je finirai par me retrouver dans la cuisine. Et d'où est-ce que tu viens? Juste là derrière. D'accord. Comment tu vas? Comment tu vas? Où en est-on avec l'affaire? Et ta patronne, comment elle va? Ma patronne a été déclarée coupable. Quoi? Je croyais qu'elle était innocente. Ça dépend de ce que tu entends par innocente. Flora, pourquoi j'ai l'impression que tu es fière? Tu espérais cette fin pour elle? De quoi est-ce que tu parles? S'il te plaît, je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu racontes? Je me rappelle quand Elka a brûlé avec le fer à repasser. Tu as promis de te venger. Eh bien, c'était juste sous l'effet de la colère. Tu sais ce que c'est? J'étais juste en colère, tu vois? Flora. Quoi? N'oublie surtout pas à qui tu es en train de t'adresser. Je te connais. Tu es tellement intelligente et rusée que tu ne le montres. Vraiment? Oui. Je le suis? Oui. Alors raconte. Donc, tu as laissé la police arrêter ta patronne alors que tu savais qu'elle était innocente. Innocente. Ça dépend de ce que tu entends par innocente. Mais si ta patronne n'a pas tué Tantinada, alors qui l'a fait? Tantinada était si adorable et si gentille. Qui voudrait sa mort? Certaines choses ne sont pas toujours ce qu'on pense qu'elles sont. Tu sais quoi? Je voulais garder tout ceci pour moi, mais tu es vraiment très curieuse. Alors je vais te dire, mais tu dois me promettre que tu ne le diras à personne. Promets-le. Promets-le. Je promets. Tu ne dois le dire à personne. D'accord. Voilà comment tout a commencé. Flora? Madame? Je sors pour une veillée de prière. D'accord, madame. Rassure-toi de donner à manger à ton patron. D'accord? D'accord, madame. Oui, madame. Et prends soin de ma maison. D'accord, madame. Au revoir, madame. Enfin, je peux avoir un peu de paix. Je suis tellement fatiguée. Bienvenue, monsieur. N'as-tu pas entendu la voiture entrer dans la maison? Hein? Non, monsieur. Désolé, monsieur. Pourquoi dors-tu dans la maison à cette heure? Désolé, monsieur. Désolé. Je ne le ferai plus jamais. J'étais fatiguée. C'est la maison de ton père, hein? C'est la maison non, de ton monsieur. Père ici. Désolé, monsieur. Bienvenue, monsieur. Oui, ma femme. Monsieur, elle allait pour une nuit de prière. D'accord. Pour la veillée de prière. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Euh,
Monsieur. Viens doucement. Ah. Viens. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Ah, calme-toi, hey. Viens. Monsieur, ah. Calme-toi. Non, monsieur. Calme-toi, je dis. Calme-toi. Tu connais ce qui est bien, mais ce qui n'est pas bien, hein? Non. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis désolé de ce qui s'est passé cette nuit. J'étais saoul. Je ne voulais pas. Je veux juste rentrer à la maison. Je ne veux plus rester ici. Je veux juste rentrer à la maison. J'ai dit que j'étais désolé. Non. Vous n'êtes pas désolé. Non, vous n'êtes pas désolé. Vous et votre femme m'avez assez molesté, avez assez abusé de moi comme ça. Laissez-moi partir, je ne peux plus rester ici. Je ne veux plus rester ici. Écoute-moi très bien. Tu devrais nous remercier de te nourrir, de t'habiller, pour t'avoir donné un toit, et même de ton voyage. Alors tu me la fermes. Et remercie-moi, ingrate. Non. Vous ne m'avez pas envoyé à l'école. Après quoi? Toutes les promesses que vous m'avez faites sur mon lit d'hôpital, vous n'avez toujours rien fait à propos de cela. N'eût été tant sinada, je n'aurais pas pu terminer mon second cycle. Et c'est moi qui ai payé chaque centime. Mais c'est elle qui faisait les efforts. Et tu sais quoi? Je ne vais pas te laisser me parler comme ça dans cette maison. Que ce soit la toute dernière fois que t'ouvres la bouche pour me parler ainsi. Je veux rentrer chez moi. Ingrate. Je veux rentrer chez moi. Quel chez toi as-tu? Villageoise comme ça. Tu veux rentrer au village? Assieds-toi en ville et fais-toi une vie. Flora. Madame. Où est ta patronne? Elle a dit qu'elle allait acheter quelque chose. Je suis sûre qu'elle est déjà sur le chemin du retour. Ah, ok. Oui, madame. Flora, reviens ici. Qu'est-ce que tu as? Flora. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Madame, je ne sais pas. Je sais juste que j'ai cette... maladie tous les matins et je me sens quand tellement fatiguée. Quand était la dernière fois où tu as vu tes monstrues? Mes monstrues? Non. Oh mon Dieu, non. Dieu. Dis-moi. Oh, non. Qui est le responsable? Qui est le responsable? Hé, hey, Tantine, il m'a violée. Quoi? Et tu ne me l'as pas dit? Qui est ce bâtard? Je vais en finir avec lui, sans pitié. Parle donc. Tantine, c'est le patron. Quoi? Ta patronne est-elle au courant? Non, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant. S'il te plaît, ne lui en parle pas. Je ne voudrais pas que son cœur soit brisé. Ça pourrait détruire son mariage. Je vais m'en occuper, d'accord? Mais madame, et mon ventre alors? Quand mon ventre aura grossi et que ce sera visible, elle le saura. Qui a parlé de quelque chose comme garder l'enfant? On va s'en débarrasser. Ah, tantine, ça c'est un meurtre. Je ne veux pas commettre un meurtre. Je ne peux pas tuer. La ferme! Oh, mon tout, ma chérie d'ami. Mon cœur d'amour. Désolée de t'avoir fait attendre. Ah non, il n'y a pas de comment problème. Comment tu vas? Je vais bien. J'avais juste une conversation avec Flora. Conversation? Avec une simple ménagère? Pourquoi es-tu comme ça?
Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage! Désolée, madame. Tu es trop gentille avec cette fille. Et je n'aime pas Cynthia. Ah. C'est une ménagère, il faudrait la traiter comme telle. Ne sois pas si dure avec elle, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je veux que tu l'envoies chez moi demain. J'ai de belles choses pour toi. Vraiment? Oui. Pour moi? Merci. Ne t'inquiète pas, elle sera là. Ok, sans souci. Merci. Connais-tu la raison pour laquelle j'ai demandé à ta patronne de te faire venir? Elle a dit que tu allais me remettre un paquet pour elle. Je vais te donner quelque chose pour elle. Mais j'ai juste utilisé cela comme prétexte. Je veux que tu te débarrasses de cette grossesse. Je vais t'emmener chez un docteur qualifié. Ah, non, madame. Tantine, s'il te plaît, je ne peux pas faire cela. Je pourrais perdre la vie. Rien ne va t'arriver. Fais-moi confiance. Et je ne veux pas tuer un enfant innocent. Ce n'est pas encore un enfant. C'est juste du sang. Oui, mais ce sang va quand même se transformer en enfant, madame. S'il te plaît, Tantine, je sais que ma patronne me tuera si elle l'apprend. Aide-moi simplement à m'échapper. Aide-moi à fuir. Je veux juste partir de leur maison. Ils ne vont plus jamais me revoir. Personne ne saura ce qui s'est passé. Que veux-tu que je dise à ta mère? Je l'ai convaincue de te laisser rester avec mon ami. Et son mari t'a séquestré et t'a mise enceinte. Je vais tout expliquer à ma mère. Je vais lui dire que ce n'est absolument pas de ta faute. Ça va la briser. Je vais t'emmener à l'hôpital et nous allons commencer par un test de grossesse pour confirmer que tu es vraiment enceinte. Ensuite, le docteur va te prescrire quelque chose. Ah, tontine, je ne veux pas faire cela. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne veux pas le faire. S'il te plaît. Je suis désolée. Je ne peux pas te laisser détruire le mariage de ma meilleure amie. Vous devez attendre les résultats ici. Ça ne prendra pas du temps. Ok. Patientez ici, j'arrive. Merci. Ah, Tantine, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais changer d'avis si les résultats sortaient positifs? S'il te plaît, je t'en supplie, je vais juste m'en aller. Je vais m'en aller, je ne vais plus jamais revenir, je te le promets. Tu ne me comprends pas. Te laisser avoir ce bébé serait comme trahir ma meilleure amie. Si l'auteur de ta grossesse était quelqu'un d'autre, j'aurais reconsidéré. C'est quoi avec toi? Tantine. Tantine, s'il te plaît. J'ai vraiment un mauvais pressentiment à propos... de cet avortement. Donc, tu veux que j'aille te trahir chez ta patronne? Non, Tantine, s'il te plaît. Ne me trahis pas, je t'en supplie. S'il te plaît. Comme tu as refusé d'avorter avec les médicaments, j'ai pris les remèdes traditionnels pour toi. Maintenant, prends-les. Prends ça. Tantine, c'est quoi ça? Bois ça et arrête avec tes questions stupides. Oh. Bois ça. Mon ami, bois-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Finis ça. Tu dois tout boire pour que ça fasse effet. Docteur, j'espère qu'elle ira mieux. Je vous ai demandé de garder cette grossesse. Mais vous l'avez plutôt fait avorter. Docteur, Docteur, c'est une adolescente. Je ne veux pas détruire son avenir. Maintenant, c'est elle que vous avez fini par détruire.
De quoi parlez-vous, docteur? Vous voyez, elle a beaucoup saigné. L'avortement a affecté son utérus. La seule solution était de l'enlever. Sinon, elle allait finir par mourir. Docteur! Je vous dis la vérité. Ah non! Cela signifie-t-il qu'elle ne pourra plus jamais enfanter? Je crains que non, elle ne peut plus. Docteur, s'il vous plaît, n'existe-t-il pas une autre solution? Comme vous pouvez le voir, rien du tout. Mes mains sont liées, j'ai tout essayé. Excusez-moi. Il pensait que je dormais. Mais j'ai entendu absolument tout ce qu'ils ont dit. Tantine Ada ne m'a jamais dit que je ne pourrais jamais faire d'enfant. Et elle ne s'est jamais excusée. Non. Je ne sais toujours pas comment Tantine Ada a fait cela. Eh bien, elle devait convaincre ma patronne que je devais encore rester à l'hôpital. Parce que le docteur devait encore me suivre à cause de crampes menstruelles inhabituelles. Je suis vraiment désolée pour ce que tu as subi. Ça a dû être très horrible. Horrible. Horrible est un mot bien faible. J'ai vécu chaque jour, sachant que mon bébé a été tué et que je ne pourrais plus jamais en avoir un autre. Tu vois, je suis une fleur détruite. Non, tu ne l'es pas. Un miracle est encore possible. Un miracle? Oui. Ai-je l'air de croire au miracle? Non. Je crois juste en la justice. Alors j'ai fait la mienne. Et qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que tu as entendu. J'ai tellement détesté Tantine Ada après cet incident. À chaque fois qu'elle me souriait, ça me rappelait sa cruauté. J'ai perdu mon utérus et mon bébé à cause d'elle, mais elle ne m'a jamais rien dit. Elle ne s'était jamais excusée. Elle se comportait comme si rien ne s'était jamais passé. Alors j'ai décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce. Non. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Le jour où Tantine Ada est venue à la maison, le jour où elle est morte, je savais qu'elle allait venir. Alors j'ai... Donc c'était toi pendant tout ce temps? Tu as pleuré plus que les endeuillés. Elle a ruiné ma vie. Je voulais la justice. Et étant donné que je savais que personne n'allait me la donner, je me la suis donnée moi-même. J'ai trouvé un moyen pour que justice soit rendue. Et pourquoi me l'as-tu cachée pendant tout ce temps? Pour que tu essayes de m'en dissuader? Ou pour que tu essayes de me convaincre que je ne devais pas le faire moi-même? Désolée, j'ai eu la justice que je méritais. Même si je l'ai fait de la mauvaise manière, mais j'ai eu la justice que je voulais. Je sais qu'ils t'ont fait du mal. Mais tu es allé trop loin. Pourquoi n'as-tu pas porté plainte? Pourquoi n'as-tu pas essayé le pardon? Voulant te venger, tu deviens pire que ceux qui t'ont fait du mal. Tu n'as aucune idée du genre de souffrance par lesquelles je suis passée. Tu ne comprends absolument rien de tout ce que j'ai traversé. Tu vis avec tes patrons qui t'aiment et te protègent. Ils te traitent comme leur propre fille. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé, alors ne te place pas là pour commencer à me juger.
Je suis désolée pour tout ce que tu as traversé. Si je pouvais, je te le ferais oublier. De quoi exactement es-tu désolée? Désolée de la bastonnade incessante? De toutes les insultes? Ou alors c'est le fait que j'ai été continuellement violée toutes les autres nuits? Je pensais que c'était une seule fois, quand il était ivre. Non. Il m'a violée toutes les autres nuits. Même après que Tantine Ada l'ait confronté, il n'a pas arrêté. À la place, il m'a dit qu'il avait payé Tantine Ada pour les dommages. Il ne s'est pas arrêté. Tu veux dire qu'il est allé jusqu'à corrompre Tantine Ada? Juste pour qu'elle garde silence? Ah, cet homme est un démon. Il doit payer pour ses actes un jour. Il le paye. Oui. Il le paye déjà. Que veux-tu dire? La sentence de son épouse? Non. Il repose actuellement en enfer. Au moment où je te parle. Tu parles en parabole. Je m'en vais. Ne me cherche pas. Bye. Attends, Flora, où vas-tu? Flora! Flora! Ah. La façon que le patron est couché à même le sol là, pour dormir. Hein? Attends. J'ai l'impression que c'est un problème d'alcool. Hey! C'est parce que sa femme n'est pas là qu'il se met à boire de l'alcool comme ça. Pour se coucher de cette façon. Hein? Comme quelqu'un qui s'est saoulé la gueule à la fête. Hey! Et cette fille est vraiment partie. Elle m'a abandonné tout seul ici. Hein? Qui prendra maintenant soin de cet homme? Comment veiller sur lui désormais? Ha! Oga? Oga? Ha! Cette affaire de sommeil n'est plus simple, hein? Ah. Attends. Attends. Que ce ne soit pas ce que je pense, là. Hein? Hey! Haronja retibine mumuna. E wole wona fundike. Haronja renga krafuna e wole wona fundike. Ah! Le sniper. Hey! Oga. 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 Hey! Alon jore chanjo punye na fumuna. Emo like na fumdike. Je commence par où? Je commence par où? Voilà que mon patron s'est suicidé. Hein? Détective Stan, je pense que c'est un cas de suicide. Je ne comprends pas toujours pourquoi c'est tué. Peut-être c'est la pression. Tu sais,
Sa femme a récemment été condamnée à la prison à vie. C'est tellement pathétique. Le pauvre. Je me demande comment sa femme va se sentir quand elle va apprendre que son mari s'est suicidé. Je me fous de comment elle se sentira. La morgue acceptera bien son corps. Ok. Je vais appeler l'ambulance maintenant, d'accord? Hein? Oui. Hey. Ce n'est pas Monsieur Daniel? Et il y a... Ah, le pauvre homme. Il était tellement gentil. Ah, la vie. Suicide? Oh! Alors c'est à ça qu'elle faisait référence quand elle disait qu'il est déjà en enfer. Et comment vont-ils faire pour savoir que c'est Flora qui est derrière tout ce massacre? Et comment a-t-elle masqué le meurtre de son patron comme si c'était un suicide? Ah, ah. Wow. Elle est vraiment une fille rusée. Certaines personnes diront que j'aurais dû attendre que le karma s'occupe d'eux. Vraiment? Est-ce que le karma existe réellement? Non. Je ne pense pas que ça existe. Certains diront que j'aurais dû les dénoncer aux autorités. Je suis juste une servante. Et ils sont riches. L'affaire allait sûrement être oubliée. Certains diront que je suis allée un peu trop loin. C'est le cas. En ce qui me concerne, même si je suis loin d'avoir la paix d'esprit, ça me va. Au moins, je sais que ceux qui ont ruiné ma vie souffrent bien plus que moi. Mon nom est Flora Marvin et je ne suis pas désolée de ce que j'ai fait. Whatever you see today, it's all about time and say.